Va, dis-toi, saigne de cette tête, mon pauvre vieux. C'est les épinards qu'on a mangés hier soir. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Hé, madame, il y aura encore des épinards à manger ce soir? Non, Titeuf, ce soir c'est spécial. On mange une raclette, une spécialité des montagnards. Une raclette? Wow, c'est super! J'adore, mon cousin Norbert, il en a mangé 30 un jour. Wow, fastoche, Hugo, du moment que c'est pas des épinards. Mais 30 raclettes complètes, hein? Fastoche, je te dis, j'en mange 30 quand tu veux. Tu peux manger 30 raclettes, Titeuf, complètes? Bien sûr, ouais, 30 raclettes. Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Norbert, toi? Tchou! 30 raclettes. Maintenant, si je le fais pas, j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi. T'inquiète pas, tu vas y arriver. En plus, moi, je veux être ton manager. Et puis comme ça, on va entrer dans le livre des records. Titeuf, le plus gros mangeur de raclettes de tous les temps. Et puis, il donne de l'argent quand on a fait un record. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Tu trouves pas que ça vaut méga le coup? On y va! Saute! Écoutez tous, Titeuf va tenter d'établir le record de raclette complète mangée en un dîner et sans vomir. L'objectif est de dépasser 30. On a besoin de témoins pour le livre des records. Giga, 30 raclettes. Oh, je suis témoin, moi, t'es un vrai héros. Vous croyez pas si courageuse, hein? Je témoigne. 30 raclettes, chapeau vieux, je serai là. Bravo, Titeuf, je suis fière de toi. 30 raclettes, c'est quelque chose. Oh, t'as du cran, dis donc, Titeuf. Tout le monde sera au courant que t'as mangé 30 raclettes. Oh, je te jure. Dis, c'est gros comment une raclette, Hugo? Comment? Tu sais pas? Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant? Tu connais pas le fromage fondu? Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques, et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette. La patate chaude et qui fume sur la fine tranche de viande séchée, et le jambon de pays bien gras. Le tout surmonté de son cornichon bien vert, tu connais pas? Chaudi! Alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du cran. Je sais que vous êtes pressés de repartir skier, les enfants. Mais ne mangez pas trop vite, d'accord? Sinon, cet après-midi, vous n'aurez plus de jambes. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger. Oh! Attention! Oh. Si tu manges ce midi, ce soir, t'auras plus faim. Et alors, pas de record. Il a raison. Faut que tu aies hyper méga faim ce soir. Alors, pour ça, faut pas que tu manges. À la rigueur, un peu de salade et de l'eau. Mais attention, pas trop non plus. Ça, pour un pari idiot, c'est un sacré pari de crétin. Je suis pas un lapin, moi. C'est pas croyable ce que je peux avoir faim, alors. Et au fait, tu vas t'acheter quoi? La collecte complète des Pocket Toys? Ah, je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat de spaghetti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! Le Yeti! T'inquiète pas, Titeuf, dans pas longtemps, tu vas pouvoir manger autant que tu voudras. Il va pouvoir s'en mettre plein la panse. Oh, des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien coulant. Et aussi des tonnes de jambon de pays. Des camions entiers de viande fessée. Et tout ça 30 fois avec des patates, patates, patates. Ça contient trop de force. Il faut que t'en dépenses un max avant. Sinon tu deviens comme Hulk. Sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud, t'exploses en milliers de morceaux de fromage. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf. Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf. Eh oh, faut pas exagérer non plus. Mais non, c'est bon pour toi. Aïe, oh, tiens, oh, n'appuie pas aussi fort, Hugo. T'es pas normal, toi. Il faut dilater ton estomac, mon vieux. C'est pour ça que je te masse, pour dilater. J'ai l'huile d'olive. La cuisinière a été super sympa. Bravo, Manu. Bois ça, Titeuf. Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre. Et puis comme ça, bah, le fromage, il passera beaucoup mieux. Et les patates aussi, d'ailleurs. Oh. Hey, les champions, ça va? C'est bien que vous soyez venus. Kim, tu racleras bien le fromage, c'est compris? D'accord, j'ai compris. Manu, tu t'occupes des patates. François, le jambon. Nathalie, la viande séchée. Et Jean-Claude, le cornichon. C'est ça, c'est ça. Ben, voyons. Et maintenant, tout le monde en piste. La gloire nous attend au bout de la raclette.
le grand Titeuf. À ma gauche, le reste du monde. Je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même. Manger 30 assiettes de raclette complète et tout ça en un dîner. Allez, Titeuf! Allez, Titeuf! Allez, Titeuf! Allez, Titeuf! Allez, Titeuf! Allez, Titeuf! Pour le fromage bien fondu, vous êtes paré? Une? La patate parée. Alors, en voici d'une. Et pour le jambon, vous êtes paré? Et d'une. Pour la viande séchée, parée et d'une. Et enfin, le dernier mais le plus important, un cornichon. Un. Silence, s'il vous plaît. Le champion se concentre. Il coupe un premier morceau de fromage. Il pique adroitement, un petit morceau de jambon, un petit morceau de viande séchée, auquel il ajoute un morceau de pommes de terre. Et enfin, il porte le tout à sa bouche. Attention, attention, un doigt. Allez, on l'encourage le plus fort possible. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Vraiment désolé, les gars. Non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça. C'est pas des conditions pour un concours aussi important. C'est une grande déception, mesdames et messieurs. Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être reportée. C'est du sabotage, du sapage de morale, c'est dégoûtant. Hein? Je suis désolé Titeuf, est-ce que tu m'en veux? Alors toi, on peut dire que tu sais casser de l'ambiance, hein. Merci mon vieux, parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie.